Salut tout le monde et bienvenue dans le 20e épisode du Let's Play de Ratchet & Clank 3 sur PlayStation 2. Bon, alors nous sommes de retour, comme vous pouvez le voir, sur la planète Koros où nous étions la dernière fois. Bon, la dernière fois, on avait sauvé le Phénix d'un assaut du Docteur Nefarious. Et ensuite, on avait été envoyé sur cette planète-là pour détruire le Globe Littérateur, puisque la planète qui s'apprêtait à attaquer était Veldin, notre planète d'origine. Et c'est sympa, les ennemis qui viennent pendant que je parle. C'est pour la peine, vous allez mourir. Non mais, vous avez vu jouer ça où? Non mais, mes chers petits ennemis, je suis en train d'expliquer quelque chose à nos spectateurs, là. Oui, je casse tout. Oui, donc je disais, avant de me faire lâchement attaquer par derrière, j'expliquais donc qu'on était venu sur cette planète pour détruire le Globe Littérateur, donc on y arrivait grâce à... Mais pourquoi il sauvegarde alors que j'ai rien fait? On y arrivait grâce à cette espèce de... Grâce à cette espèce de la caméra, on permet pas de viser cette espèce de gros laser qui est là-bas. Et malheureusement, on a découvert qu'un autre Globe Littérateur... avait été construit par Nefarious, prêt à agir, et celui-ci se trouvait sur la planète Mylon. Donc, pas de chichi, on va y aller tout de suite. Ah bah super, ça marche pas dans les escaliers, mais oui. Donc, hop, montons à bord de notre vaisseau. Et destination, non pas centre de commande, mais Mylon avec le centre de commande dessus. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Je suis désolé, mais les mecs de Shinsomniac Games, vous avez fait quoi? Dans tout Ratchet & Clank 1, c'était les noms des planètes dans le menu. Dans tout Ratchet & Clank 2, c'est le nom des planètes dans le menu. Et puis, quand on arrive sur le Ratchet & Clank 3, ben, on commence avec les noms des planètes. Tout va bien, à peu près. Et puis, d'un seul coup, on décide de mettre les noms des lieux à la place des noms des planètes, quoi. N'importe quoi, quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi en puissance. Je suis désolé, mais... Allons-y. Mais bon, je vous préviens tout de suite, on va aller sur Mylon et on va tout de suite repartir. Vous allez voir pourquoi. Nous y voici. Tu te sens tout nu sans ton chargeur bouclier, hein? T'as du bol, je viens d'en récupérer un. Si ça t'intéresse, tu sais où me trouver. Voilà! Parce que c'est seulement en arrivant ici que Slimcognito nous propose enfin sa cinquième arme. Oh, la planète, vous avez vu, elle est pas géante, hein. Y a pas grand chose à faire, hein. Donc, bah, retourne dans le vaisseau, puis on va aller sur Aquatos. On va aller sur Aquatos récupérer le chargeur bouclier. Alors c'est complètement ridicule que cette arme ne soit disponible qu'à ce moment-là du jeu. Pourquoi? Là, je vous laisse un petit peu deviner. En même temps, ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous allez avoir du mal à deviner pourquoi je trouve que c'est ridicule de donner cette arme maintenant. Allez, direction Slimcognito. Allez, donne-moi mon arme gratuite. Monsieur Fizzwidget vous salue. Voilà un petit cadeau de sa part. Alors, je vais vous montrer le menu des armes. Regardez. Alors, je vous explique. En fait, ce qu'ils ont fait au niveau des armes, c'est qu'ils ont classé en fait les 15 armes nouvelles dans ce Ratchet & Clank 3 en premier. Et les 5 reprises du 2 en dernier. Donc en fait la case qui manque ici, c'est une arme bien connue. Vous vous souvenez, dans le premier Ratchet & Clank il y avait eu le TELT. Dans le deuxième il y avait eu le TELT 2. Et ben devinez ce qui manque comme arme à cet emplacement là. Voilà. Et évidemment cet emplacement n'est accessible qu'en mode défi, c'est à dire le mode où vous refaites le scénario depuis le départ. Forcément les modes défis je vous les ai jamais montrés parce que ça demande de refaire le jeu une deuxième fois et en let's play ça n'a pas d'intérêt quoi. Donc aussi le chargeur bouclier je vous montre quand même un petit peu. Il n'a que 3 munitions. Alors que c'était 5 dans Ratchet & Clank 2. En plus maintenant il est rouge.
Allez, entrons dans le vaisseau et retournons au centre de commande. Donc en tout cas, vous avez vu le... Je veux dire, la... le menu des armes en dehors d'une seule arme qui n'est accessible qu'en mode défi, sinon il est plein. Bon, j'ai passé la cinématique de Ratchet qui sort de son vaisseau. Au niveau des gadgets, bah regardez, le seul qui manque c'est l'APL qu'on n'est pas allé chercher. Mais bon, l'APL ça n'a pas trop d'intérêt, ça me fait dépenser 250 000 boulons. Et c'est juste pour avoir accès aux vendeurs partout, c'est-à-dire pas en étant seulement à côté des vendeurs. C'est-à-dire que au lieu de devoir venir vers un vendeur et l'activer, on peut utiliser l'APL à la place, mais ça vous fait payer les munitions 10 fois plus cher. Alors bon, ça a un intérêt extrêmement limité. Surtout que franchement, j'ai toujours fait ces jeux sans l'utiliser, sans jamais utiliser l'APL, et j'ai jamais été en manque de munitions, même pendant les combats de boss. Hein. Donc du coup, avec mon inventaire d'armes plein et mon inventaire de gadgets presque plein, devinez à quel stade du jeu on est. Par contre, j'aurais peut-être dû... Je reviens en arrière. Que j'aurais peut-être dû essayer de tuer les tyrannoïdes avant. Les tyrannoïdes robots, rappelons-le. Alors pour ce faire, je vais essayer avec le fusiflu. Ouais, c'est bon, je peux les avoir. Tiens! Tiens, il faut deux. Bah super, il passe en V5. Il suffisait de demander. Maintenant, on a un découpé-toire. Lui là-bas, je vais essayer de le tuer aussi. Bah, c'est bon, ça one-shot maintenant. Non, mais c'est bon, on sait. L'arme la plus puissante et la plus discrète de la galaxie. Ah oui, combien? Alors, il est où le fusiflu? Il est là. Puissance 2800. Effectivement, je regarde par rapport aux autres. Oh, il est bien placé, le lameau disque. Hein. Eh, le bobine de placement, il est déjà à 2400 au niveau 1. Donc, effectivement, pour l'instant, le découpétoire est effectivement l'arme la plus puissante que je possède. Effectivement. Ah non, il n'était pas mort en un coup. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le... Ouais, par contre, je devrais le placer sur la sélection rapide, le chargeur bouclier. Le mettre à la place de quoi? Parce qu'ici, vous voyez, j'ai bougé, hein, j'ai essayé de replacer les armes qui étaient en... Ouais, j'aime pas beaucoup le rebondisseur, je vais le mettre à la place du... Donc en fait, je vais mettre le chargeur bouclier en bas, et je vais placer la bobine à plasma à la place du rebondisseur. Et le rebondisseur, tant pis, je vais le mettre à côté de l'aspiro-canon, je l'utilise jamais. Voilà. Ah! Loul! Hey, tu peux mourir s'il te plaît? Putain, mais c'est. Loul! Hey, il te faut combien de missiles dans la tronche pour mourir, toi? Alors je pète tout. Alors, regardez ici, on a droit à un magnifique. Donc vous vous doutez un petit peu ce qui peut nous arriver. Bah oui. Et aussi les tyrannoïdes sont équipés de bottes gravitationnelles maintenant. Mais c'est pas vrai, mais c'est des missiles que je vous envoie dans la tronche. Non mais sérieux. Ratchet, tu vas avoir besoin du tiraguisement. La sécurité est renforcée, alors fais attention. Ces robots tyrannoïdes sont plus intelligents que par le passé. Eh merde. Je vais avoir besoin d'utiliser le tiraguisement. Ce qui me fait perdre le bouclier. Ouais. Alors, parlons à ce tyrannoïde robot. Donc, vous avez vu, Sacha nous a clairement expliqué que les dialogues vont être plus compliqués maintenant. Hein. Allez, c'est parti.
Alerte au feu! Activez cet élévateur sur le champ et jetez-vous dans la première piscine que vous trouverez! Pourquoi je vous croirais? Vous n'êtes qu'un bouseux! Ah bah oui, c'est vrai, moi, mon tiraguisement, il me déguise en tyrannoïde normal, pas en tyrannoïde robot! J'ai cru que j'allais me bourrer de touche. Est-ce qu'un tyrannoïde peut mentir à un autre tyrannoïde? Seulement s'il bouge les lèvres. Ah mais ça devient déjà rébarbatif. Mais sérieux, le langage s'exprime en base de raw, je suis désolé. Parlez-moi sur un autre ton! Je veux devoir signaler votre comportement aux autorités si vous ne laissez pas passer. Vous allez rendre une petite visite à mon estomac si vous êtes encore là dans 5 secondes. Et c'est que le premier. Ok, la violence n'arrangera rien. Je vais juste appeler le docteur Nefarious pour lui dire qu'il n'aura pas son massage aujourd'hui. Désolé de vous avoir retardé, l'ami. Allez-y, et salut le docteur Nefarious pour moi. Eh ben dis donc, j'ai dû faire quoi, 4 séquences au moins? Alors ici, maintenant que je suis monté, je vais regarder ici. Hop. Bonjour le boulon titane caché. C'est bon, il n'y a pas l'air d'avoir de... Et comment je fais pour... Voilà. Et... Alors voilà, le second. Oui, c'est parce que j'ai pas envie de le recoller dans la sélection rapide de tiraguisement, c'est pour ça que je fais ça. Hein. Allez. Parlons-lui. Excusez-moi, monsieur. Lawrence n'aime pas la couleur de ce champ énergétique. Il dit que ça jure avec son pantalon et il veut que vous le désactiviez immédiatement. Bien tenté, bouseux. Au fait, j'ai entendu dire qu'un lombax déguisé en tyrannoïde se baladerait dans le coin. Ah, elle est bien bonne. Ce lombax doit être vraiment courageux. Ou vraiment stupide. Vous en êtes content de votre costume d'Halloween? Heureusement que les appuis longs, il y a quand même tolérance si on ne fait pas tout à fait la même longueur. Haha, écoutez, si vous me laissez passer, je vous prête mon holo vidéo de danse avec les amibes. Y'a des bonus? Ouais, et en bonus caché le film. La première fois que je suis mort. Plus de 3 heures de supplément. Et en bonus caché, le film. Bien sûr, si vous saviez ce que font ces bombes visqueuses devant les caméras. Ok, ça marche. Allez. Ah, remarque que lui, je peux le tuer. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Tiens, meurs. Oh, merde, ça active l'alarme quand même. On va se calmer. Ah ouais, ça active bien l'alarme. Ah, une caisse jackpot. Mais alors... Oh putain! Oh, comment le bouclier s'est activé pile à temps! Eh, je vais remettre un petit peu, mais. Les agents ravageurs à l'heure que j'utilise pas! Ah lol, il est tombé! Et je suis passé à 96 unités de nanotech! Alors. Thank you.
j'ai encore un agent ravageur qui essaie de me tuer. Voilà, ça y est. Mais j'ai sauté! Mais ça va pas me refaire encore ce bug à la con! Et je reviens au tout début! Mais oui, sinon c'est pas drôle! Voilà, donc vous avez compris. Voilà. Dans ce niveau, voilà. Là, vous venez de voir ce que j'avais envie de vous expliquer, mais je vous aurais expliqué ça après, mais là, vu que ça vient d'arriver, dans ce niveau, il y a zéro checkpoint! Zéro! Quel que soit l'endroit où vous mourrez, vous reviendrez toujours au début. Zéro checkpoint sur cette planète. Donc là, excusez-moi, mais si vous avez toujours pas compris qu'on en est à la dernière... je veux pas être méchant. Il y a les deux avec une balle. Ah non, mais putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, hein, mais ça m'énerve parce que je suis désolé. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais si je fais n'importe quoi que je meurs, ok. Mais là, je suis mort. Pourquoi? Parce que le jeu a dit fuck, je prendrai pas en compte que tu appuies sur le bouton pour sauter. Et ça m'énerve. Ça, c'est vraiment de la merde. Ah merde, j'ai plus de bouclier. Hé, raté. En plus, le pire, c'est que les boucliers, il n'y a pas de munitions pour bouclier dans les caisses, je ne peux les avoir qu'au vendeur. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Péniblement revenu à l'endroit de ma mort en étant remords une seconde fois. Mais t'es toujours pas mort toi? Le super exterminateur Gadgetron libère une nuée de missiles. Chercheur infrarouge, chaque missile est indépendant. Ouais, super. Donc, ça veut dire que c'est encore une arme supplémentaire qui est passée en V5. Bon, maintenant on va se mettre d'accord sur une chose. J'atterris là, je ressaute, tu vois. J'appuie sur le bouton magique qui s'appelle sauter. Ah, bon, le placement passe en V2, ça c'est déjà bien. Alors oui, hein, le chargeur bouclier, ça veut quand même dire au passage qu'on me file une arme forcément en V1 à la dernière planète du jeu. Ah, j'ai la réserve chargée, ça c'est bien. Ce que j'avais prévu. On va envoyer des disques un peu partout.
Et apparemment, c'est une arme avec une bonne puissance. Autant essayer d'en bénéficier un petit peu. Ah, par contre, attention à eux. Alors, eux, je me sers du... Merde, j'ai perdu mon bouclier le temps que j'en tue un. Je l'ai quand même eu. On va pas mettre... mais LOL, ça a pris qu'un seul tir, faut pas déconner là. Putain, mais le truc, il apparaît même plus sur l'écran à cause du clipping et il me tire encore dessus. Eh, faut se calmer là. Regardez là, je fais comment pour le viser là? Alors qu'il est toujours là, hein, je suis sûr que si je rapproche un peu, voilà. Donc il est toujours là. Je fais comment là? Tire au hasard? Eh, le pire c'est que j'ai touché quand même, hein. Je l'ai touché. Ça y est! Ah, putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Tiens! Loul, j'arrive à me refaire toucher! Bravo, magnifique! Là, c'est de ma faute, c'est moi qui me suis replacé sur la trajectoire du tir! Hein. Ah, j'entends des ennemis! Oui, je vous entends derrière la porte, mais c'est le pirateur! Par contre, j'avais pas vu un. Non, d'accord, j'ai complètement rêvé. Putain, mais dans les montées, ça marche même pas, sérieux. Alors, j'en suis où? Vous avez vu, je suis pas loin de la fin. Ah, j'ai loupé un... Bah non, je l'avais eu pourtant. Ah non, je sais. Bah c'est tout près, ça. Attends, c'est tout près d'ici. C'est tout près d'ici. L'ennui, c'est que mon timer... Ah, je le vois en plus, le machin. Le problème, c'est que mon timer, maintenant, il est faussé, parce que comme j'ai mettre des accélérations... Un trophée. Celui de Lorenz, je dirais. C'est pas évident de bien distinguer quand le truc il tourne comme ça. Et le pire, c'est que j'y arrive. Je dis que c'est pas évident de bien le distinguer, que je me suis jamais gouré. Alors déjà, je vais reprendre le bouclier qui en reste. Ça mangera pas de pain. Et utilisons le pirateur. Ça fait longtemps qu'on en a plus fait, ça, du piratage. Il y a 4 phases encore. Allez, la deuxième. C'est dommage, il y a un truc, c'est que je trouve qu'avec la musique, c'est même pas une musique, c'est une espèce d'ambiance calme, bah ça casse un peu le rythme. Voilà, et la quatrième phase. Je surveille un petit peu la capture, bien que logiquement, normalement, il n'y a plus de problème, puisque maintenant on tourne sur un Dazzle tout neuf, donc... Voilà, ça y est, porte piratée. Ah mais sympa les angles de caméra. Alors, un laser. Alors déjà avec le grand boulon on va... Ouais, je sais pas si vous voyez la cible...
bouge. Donc on va avoir besoin de notre copain le réfracteur, qui doit plus être en sélection rapide non plus, donc je vais le sélectionner à partir du menu. Mais non, espèce de... Voilà. Deuxième là-bas. Ah, d'accord, faut monter sur cette rampe-là. Voilà, donc normalement la porte s'est ouverte. Qu'est-ce qui nous attend ici? Oh! Qu'est-ce qui nous attend? Oh putain, mais il y en a partout! Alors, j'ai une idée. Ça, je peux me servir. Tiens! Vous l'aviez pas vu venir celui-là. Par contre, il y a du débarquement, donc on m'a envoyé des agents ravageurs. Si j'arrive à les tirer. Allez, j'envoie tout le monde. Et les agents ravageurs passent en D4, je crois. Ouais. Voilà, donc on est à la fin. Regardez, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un joli bio-obliterateur. Comme d'habitude, le checkpoint à la fin du chemin qui sert à rien. Mais oui, c'est parfaitement normal. Ah, c'est trop tard. Montez. Et voilà, nous allons être emmenés. Moi j'ai un truc dans le nez. Donc on poursuit Nefarious avec la navette, je vais y arriver. Ça y est, Nefarious a déjà amorcé la séquence de lancement. Si ce truc se retrouve dans l'espace, Veldin n'aura aucune chance. Je vais pas le laisser faire. Bon, Veldin ou Veldin qu'il faut prononcer, il faut savoir. Hein. Alors, ben voilà. On est parti. Et merde. Voilà, vous pouvez voir la tête sur la barre de vie. Encore toi! Tu vas payer pour ton insolence, sale petit rongeur! Tu vas regretter! Désolé, Nefarious, ton vol est annulé. Ah, Lawrence! 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 En quoi puis-je vous être utile? Détruisez ce vaurien! Je vous ai eu. Ceci est ma boîte vocale holographique. Laissez-moi votre message après le double bip. Bip bip! Ah! Soit! Je le ferai moi-même! Et voilà, combat contre Nefarious. Donc là, c'est clair et net, on est face au boss final. Alors, déjà... Ah, mes munitions ont été remis à fond, ça c'est cool. Alors, on va se servir de, bah, de notre exterminateur. Bon, attention. Par contre, j'ai aussi essayé de lancer des agents... Oui, maintenant en V4, je peux avoir des agents qui volent. Ah, mais quel con si je saute pas. C'est purement de ma faute. C'est pas sûr que c'est tout, mine de rien. Par contre, le souci, c'est que je suis en train de vider ma munition de missile et qu'il perd pas tant de vie que ça, quoi. Ah,
Vous m'avez vaincu! Je n'ai plus le choix! Je suis obligé de me rendre! Ah bon? Tu as perdu, Nefarius! Ton règne de terreur est enfin... Crétin! Mais ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Non mais... Est-ce que je peux... Voilà, est-ce que je peux récupérer un petit peu de munitions avant de le poursuivre? Voilà, donc c'est par là. Alors, et voilà, j'allais dire, vous vous en doutez. Et elle est pas quand même nous laisser le suivre aussi facilement. Tiens, meurs, espèce de robot. Elle est partie. Mais putain, c'est le débarquement! À la limite, faut peut-être pas forcément chercher à tous les tuer. À la limite, tuer les plus gênants, quoi. S'il est là-bas, c'est pareil aussi. Voilà. Aïe, j'ai plus de bouclier cette fois. Par contre là il y a des décalages entre le son et le et ce qui se passe. Et je précise c'est des décalages dans le jeu, hein, c'est pas la vidéo qui déconne. Voilà, j'ai plus d'agent ravageur non plus. Ah des rangers galactiques. Je croyais qu'ils avaient tous été détruits. Félicitations, tu as atteint ton niveau maximum de nanotech. Voilà, 100 unités nanotech, je suis à fond. Par contre, niveau boulot, ça va, hein, 552, 59 000. Ah, bonjour, oh ouais, j'allais dire, là, je vais forcément me faire toucher. Je suis dans la merde niveau vie, hein. Bon, ça va, il y a des questions de nanotech qui pop. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre maintenant? Plus de... Qu'est-ce que ça fait le... Pas trop efficace le... Ça lui enlève même rien du tout en fait. Et j'ai plus d'agent ravageur. J'ai essayé mes éruptos, grenades. Après tout, je suis contre le boss de fin. Maintenant, je peux bien me permettre de... utiliser mes armes évoluées à fond. Vraiment que j'essaye de me concentrer un petit peu par contre. Putain mais je me fais toucher quand même en sautant. Je cherche la logique. Je vais aussi essayer de balancer des méga tourelles un peu pour voir. Ah non, ça c'est pas lui, c'est juste... Oui, mais où? T'as la caméra qui fixe tellement mal que... J'ai quasiment plus de... Je suis mort! Oh putain, on reste... On doit tout recommencer. On a combien de temps? Ouais, j'ai presque envie de recommencer ça dans le prochain épisode parce que là. Faut recommencer le combat en entier. En sachant qu'une fois le combat terminé, faudra taper toute la séquence de fin du jeu. Non, je crois qu'on va plutôt s'arrêter là et recommencer dans le prochain épisode. C'est pas très grave, ça me fera terminer le jeu la semaine prochaine. C'est rien.
Voilà, donc du coup on va s'arrêter là. Prochain épisode, on tentera de battre Nefarious, de battre définitivement Nefarious sans mourir, très bien. Et puis voilà, je me demande si, à mon avis, vous savez ce que je vais faire? Je crois que je vais jouer un petit peu dans mon petit coin pour essayer d'augmenter les armes qui sont à des niveaux très très faibles parce qu'on les a eu qu'à la fin du jeu. C'est vachement la logique quoi. Comme ça, on sera un petit peu mieux armé pour l'affronter. Non mais en plus le pire c'est que je me suis mis dans le défi pour le combattre et en fait le problème c'est que j'ai pas d'option pour quitter le défi. Une compétence stupide, ça veut dire qu'il faudrait quoi? Il faut se suicider pour que... Voilà, pour revenir à ça. Voilà, donc je vais faire ça. Puisque maintenant qu'on est arrivé au bout du chemin sur Mylon et qu'on a récupéré cette navette-là, elle sera disponible dès l'entrée sur la planète. On sera pas obligé de se retaper le chemin. Allez, voilà, vous voyez? Ça veut dire que quand on relancera le jeu, je vais apparaître au niveau du vaisseau et j'aurai la navette juste à côté. Donc je pourrai refaire le combat. Donc je vais augmenter mes armes là, notamment les dernières qu'on a eues, c'est-à-dire le rebondisseur, la bobine plasma et le bouclier quoi. Histoire de... Voilà. Je vais sûrement le faire en ramassant des... Parce que comme vous savez, en récupérant le cartomatique, on a dévoilé toute cette zone là des égouts d'Aquatos. Donc avec un nombre certain de cristaux à ramasser, de cristaux d'égout à ramasser dans ces parties. Donc je pense que ce sera un bon moyen de faire évoluer les armes qui sont à des niveaux trop bas. Comme ça, la prochaine fois, on pourra se frotter à Nefarious de manière un petit peu plus sérieuse, on va dire. Enfin bref, donc on s'arrête là-dessus pour cet épisode. Je vous dis ciao et à la prochaine.